ils sont plus petits. Oui. Du coup, il les méprise. Et maintenant, tu pourras m'envoyer ça par contre. Ouais. Et le break, il n'a pas la même attitude que Migueline, comme quoi il est. Bah, Migueline. En fait, lui, Migueline, il était faible. Ouais, voilà, il était plus alors faible que lui, il est plus mature, enfin, il est plus grand. Non, c'est pas qu'il est plus grand, c'est qu'en fait, il ne veut pas se montrer. Ouais, voilà, il ne veut pas sa tristesse devant les autres. Est-ce que ça vous pose. Quel est l'adjectif qui fait quand tu veux pas montrer ta tristesse devant les autres? Bah t'es courageux, enfin pas courageux, mais t'es. Tu le retiens plus. Oui, mais ça c'est pas un adjectif, ça. Enfin, oui, mais c'est. Il y en a plusieurs, mais ça montre une qualité, enfin. Des défauts, un défaut aussi, mais. Oui. Avoir de sentiments. Non, bah non, mais non, c'est pas ça, c'est un truc comme ça. Et nous, on éprouve pas, enfin, on dit pas forcément les adjectifs qu'il faut, on explique. C'est pas... Allez, on continue. Donc, on dit toutes les trois, ou il y en a qu'une seule qui dit comme vous voulez. Allez, Marc. D'accord. Elle s'en propose même pas. Non, mais donc, tu dis. Mais c'est quoi en plus, elle dit mieux, oui, le retiens. Donc, on dit que. Le break, il méprise les autres et parce que les vélerons, bah, ils sont plus petits et qui fait et le break il dit moi je suis pas un faible comme Migueline et il s'en va plus d'autre part mais pourquoi qu'il les voit. Ouais voilà, il éprouve sa tristesse. Mais il faut faire une phrase en même temps. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre ça ferait. Attention de pas utiliser des pronoms de qui les voit, on sait pas de qui vous parlez hein. Les bah qui voit les vélos, pour ne voilà, pas que les vélos pas cités avant. Oui, voit le braque pleurer. Ce qu'on peut faire, c'est pas le braque. Ridiculise. Voilà. Le braque est. Et les vélos. Voilà, le braque méprise les vélos car les vélos. Non, ça ne va pas. Le braque méprise les vélos. Ils font le même châtiment que Migueline. Et le braque dit. Je ne pleure pas. Je suis pas aussi faible que Migueline. Et après, il s'en va plus d'autre part pour pas qu'il soit humilié devant les autres. Devant les bébés. Mais il dit aussi, c'est pas malin d'avoir copié sur nous. Ouais, mais ça n'a pas de sens. Ouais, c'est donc, alors, je récapitule. On dit. Attends. Le braque méprise les verlans. Les belles. Tu vas pas y aller avec ce mot. Belles rangs. Et il dit qu'il n'est pas aussi faible que Migueline. Et après, il s'en va plus loin pour ne pas qu'il soit humilié. Voilà. Tu traduis ça en une phrase et puis c'est parfait. Pas déjà alors, on dit. Le braque s'est fait kidnapper par les belles rangs. Kidnapper. Non, il s'est peut-être pas fait kidnapper, il s'est fait prendre. Même parce que là, on le voit déjà. Mais non, il est attaché à un arbre, ficelé. Comment ça se dit ça? Alors, le braque est attaché à un arbre. Il méprise les belles rangs. Il méprise les belles rangs. Et il dit je ne suis pas. Donc, pas faible comme. Les belles rangs lui coupent les boutons et le détachent. Bah, lui enlève la fierté. Oui. Lui enlève la fierté d'avoir des boutons. Le détache et le braque dit je ne suis pas aussi faible que Migueline. Alors, attends. Vas-y.